Salut mes petits Yoshi, c'est Denis Oro. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1, entre guillemets. Ça va être une série qui va beaucoup compter pour moi parce que j'entame un gros projet. Je suis qu'à 24 abonnés et je vous prépare déjà un gros truc. Alors vous allez dire, c'est quoi ce truc? C'est quoi tous ces moutons colorés et cette construction atroce, hein? Je suis quelqu'un qui est bon. Je dis pas que je suis bon en construction, hein, c'est très 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 moyen. Ce truc est moche, on est d'accord. Mais c'est pour vous montrer ce que j'ai fait dans ce... Enfin, ce que j'ai commencé dans ce projet. Je vous avais un petit peu teasé dans la dernière vidéo des outils Minecraft à connecter qu'on avait des... Enfin, que j'allais peut-être faire un texture pack. Et ben voilà, c'est ça. Alors, vous voulez vous... Alors, déjà, le style de mon texture pack, j'annonce la couleur. C'est un texture pack cartoon, simpliste, comme vous voulez. Donc, c'est un texture pack qui va vraiment simplifier les textures de Minecraft. Il va beaucoup... je vais beaucoup m'inspirer du OCD pack fait par un certain Disco. Je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un bon restonner qui fait des maps, mais qui... Mais soit il est mort, soit il est très inactif sur YouTube ou autre part, parce qu'il n'a pas encore fait son OCD pack pour la version 1.9, ni pour la 1.10 du coup. Même si des fans ont déjà fait, mais moi j'ai trouvé ça bof bof. Mais moi je vais pas copier ce texture pack, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de plagiat. Justement, c'est, je me souviens que de 2-3 petits détails sur ce texture pack et je vais m'en inspirer. A 2, 1, 2, 3, abracadabra, je veux que tout soit simplifié là! Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux ça! Voilà, donc. Si vous n'aimez pas, hein, c'est pas forcément de ma faute. Donc, déjà, pour les moutons, voilà, ils sont très simplifiés. Donc, vous voyez que même la texture du mouton, quand il est coupé, même cette texture-là a été modifiée. Donc, j'ai commencé ça grâce au skin... pas au skin, grâce au site NovaSkin, que je vous conseille fortement si vous voulez faire un texture pack également. On dirait un gros Rubik's Cube, non? Donc, qu'est-ce que j'ai modifié pour ce premier épisode? J'ai modifié la texture des moutons. Donc, vous voyez, elle est simplifiée, comme je l'ai dit. Et tout ce qui est acacia. Alors, pour l'instant... donc, l'acacia. Les trucs que j'ai pas encore modifiés pour l'acacia, ce sont la pousse d'acacia, les feuilles d'acacia, la porte en bois d'acacia et le bateau en bois d'acacia. Donc on va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer que malheureusement voilà, tout n'est pas encore prêt, mais bon, ça arrivera probablement dans le prochain épisode. Je finirai l'acacia et peut-être les autres types de bois. Donc, en tout cas, j'espère que ce petit premier teaser du texture pack vous aura plu. Je vais essayer de bosser le plus possible cet été pour ce texture pack. J'espère que le style de ce texture pack vous plaira aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à plus !